Je pense qu'il y a aujourd'hui 5 à 10 dossiers prioritaires qui sont le PLU, la révision du PADUC, le contrat de destination en matière de tourisme, le contrat local de santé. Je pense bien sûr à la question du SCOT, je pense au renouveau en termes d'infrastructure. En gros, aujourd'hui, on voit bien que Porto-Vec est une ville qui accuse un retard très important, notamment au plan infrastructurel, et qu'il faut la remettre à niveau de ce point de vue-là. Je la conçois ensuite au cœur d'une intercommunalité dynamique, porteuse de projets, et bien sûr d'un territoire aménagé harmonieusement et qui respecte l'ensemble de ses concitoyens, ce qui n'est pas proprement le cas aujourd'hui, avec bien sûr une dimension sociale et culturelle qui est un peu notre marque de fabrique. Donc vous l'avez compris, pas de volonté d'opposer les thématiques, mais de les concilier avec, en toile de fond, une gouvernance renouvelée, respirante et collaborative.